La semaine prochaine, enquête. Le sort cruel réservé aux animaux de compagnie qu'on abandonne. On voit très clairement que le chien est en vie puis en détresse. Il y a 52 employés qui travaillent ici maintenant. Est-ce qu'on pourrait se permettre de faire de la cruauté ou rendre des animaux maltraités ou les garder dans des conditions exécrables? C'est faux, ça. C'est arrangé. C'est arrangé. On a vu dans le cas du gros chien gris qu'il s'est passé 20 minutes entre la première injection et les autres injections. C'est épouvantable. Ça se fait pas, ça. Aussi la semaine prochaine, un centre hospitalier de soins de longue durée en partenariat public-privé qui est loin de faire l'unanimité. Vous pouvez être sûr d'une chose, que ça va être un succès, puis il va y avoir des grosses économies. C'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Dès le départ. Ah oui, dès le départ, j'ai dit, mais voyons donc, c'est quoi ça, là? Comment c'est qu'il n'y a pas plus de personnel que ça? C'est pas normal que... Une personne, tu sais, elle passe l'après-midi dans ses urines, dans ses selles. Les préposés qui sont là, là, ils nous disent à nous, vous savez, on manque de personnel. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine.